J'ai raté toutes les bombes. Toutes les bombes. Waouh. Donc ça les gars, on peut parler de cette team là. Voilà, c'est bon. Hein ? Ça, c'est la team du GG Wellplay, il n'y a pas de RNG. Ça, c'est bien. Donc, l'Espeed 24, l'Espeed 24, 2 gains ATB, Ignore Def, donc Ignore Def, il n'y a pas de RNG là-dedans. Elle se fait pas résist, donc il y a toujours les 3 debuffs. Et lui, du coup, s'il a sans crit, il tape sur les masses debuffs de Neftis. Ce qui fait que... Ce qui fait que c'est peinard en fait, tu vois. Ce qui fait que c'est... Et moi, du coup, je suis en train de me faire un camémire. Bon, j'ai pas Neftis, tu vois. Mais bon, hein. Ouais, en vrai, cette team, elle fait rêver. Sauf si le mec sait que tu joues ça et qu'il part un peu en full feu. Je sais pas s'il a des équivalents. Peut-être qu'il a un Poséidon Bruné à la place de Lucian, par exemple. Et j'ai du mal à voir le truc. Mais... On rappelle que Akamamir, le 103, tape selon le nombre de debuffs qu'il y a en face. Et Neftis va toujours, quoi qu'il arrive, poser tous les debuffs de la Terre. Eh, ça a l'air bien ce jeu. Eh, ça a l'air cool, j'aime bien cette team. En vrai, elle est vraiment bien cette team. Et si on kick Tiana, bah du coup, il Lucian. Si on kick Tiana, il Lucian. Si on kick Bastet, il Akamamir et Lucian. Bah, là, le mec en face, par exemple, bah, a mis quand même pas mal le truc feu. Dont une Juno. Et en vrai, Juno, du coup, il y a un bon truc parce que d'une part, elle se fait pas Lucian. Elle répond bien à Neftis. Et elle est en revanche. Ne soulevez pas, ok. Non, en vrai, là, il a quand même bien réagi, le mec. Et tellement qu'il a du ban, du coup, la Juno. Déjà que le lead 24 là, il fait grave plaisir. Eh, il est peinard hein. Faut un Camille. Peut-être 200, ouais, 5. Peut-être pas le Lucian, tu vois, il a fait le stun avant là. Tu vois. Mais un petit 230, hein, je dirais un truc comme ça, tu vois. Au pire, il y a Neftis, non, soit il y a deux gains ATB, soit il y a... Non, j'allais dire non. S'il y a Bantiana, Neftis, ça fait pas faire de... Ouais, en vrai, il faut qu'il soit rapide. Ouais, en vrai, il faut qu'elle soit rapide. Yubab. En effet, il faut que l'homme soit rapide, mais ouais, si t'as les runes, tu t'amuses, mec. Genre, Taki, il a vu venir, il est parti en tout full feu. On va voir si mettre des mobs full feu, par exemple, ça marche. J'ai grave chaud, je vais mettre encore en caleçon, je pense. Mais en vrai, non, parce qu'il y a Neftis là, du coup. Il a ban Bastet. Ah, parce qu'il pense tanker, du coup. Bah non, en fait, tu tankes pas, en fait. Oh. Je pense que c'est Akamamir qu'il faut ban, en fait. Mais si tu bannes Akamamir, bah tu te fais Neftis aussi. Non, faut ban Tiana. Bah tu te fais Lucian. Et en vrai, y'a pas de bonne solution, à part... Non, ouais, c'est chiant, en fait. En fait, c'est chiant, les gars. En fait, c'est chiant. Le mec en face, full wheel et ban Tiana, tu fais rien? Ah, tu parles de quoi, là? Ah oui, d'accord, si tu bannes Lucian, si tu mets pas Lucian et que tu mets un Poséidon dans la place. En vrai, ouais, je pense que Lucian il est quand même très. Important. Ou alors tu mets un Panda Light, ah grave. Un Panda Light en last pick. C'est pas mal ça. Par contre, ouais. Si vous le croisez, je pense qu'un first pick Bastet c'est bien sur lui. En vrai, il fait bien, hein. Le sort de Akamir, il fait du bien aussi. Hein. Après, il y a moyen de se faire au speed, en effet, parce qu'il a que 2 lits 24, tu vois. Donc si le mec en face, il met lit 33, lit 33 et des trucs chiants, ou ça, tu vois, les trucs qui sont très rapides, ou Triton. En vrai, Triton peut le faire chier, en vrai. En vrai, je suis assez surpris d'avoir aucun Triton. Et dans le futur, lui.
Oh, elle a rien fait. Elle fait un truc sur le 103 du Forge Dark. C'était stylé là, il avait réussi à faire un truc bien pour peut-être stun les mobs. Et en fait il pue la merde. Oh putain. Après le faire jouer avant Jimmy, c'est un peu chelou. En plus les deux ont joué, donc le mec a un problème de speed tuning. Donc il mérite de perdre, on va dire ça, ok. Alors qu'en fait non, il devait gagner. Où est Dissentary Healer. Ok, donc là vous voyez un mec essayer de le speed là. Ah, quelqu'un qui prend Tiana. Je pense que ça marche pas pareil. Hein. Sans Tiana les gars, je pense que c'est très différent. En vrai, sans Tiana Bastet, vous pouvez vous en sortir si vous avez le bon pad. Si vous cliquez Tiana et que vous êtes full wheel par exemple. Enfin, si vous faites un first pick Tiana et que vous êtes full wheel, vous pouvez ban Neftis. Non, laissez Neftis, c'était con quoi. Lucian. Il va tellement se faire bolos là. En face, c'est mieux. Oh, beau gosse! En gros, faut low speed. Faut lui prendre un de ses mobs et low speed. Meilleur strat du jeu. Ouais. Mais en vrai, Triton, il n'en a pas croisé un seul. Mais c'est parce que, en vrai, les gars, vous savez que Triton, on en croise quasiment plus depuis le buff Shiu. À l'époque, Triton, c'était vraiment le mob que les gens qui jouaient Gagnator draftaient un peu quand même. Mais depuis le buff Shiu, vu qu'il y a les speed, des Tritons, on n'en croise pas tant que ça. Hein. Ouais, je peux partager le replay sur Aurélien. Ok. Là, je vois pas Lucien passer ça. Je vais dans le 14-14, ok. J'ai soif. J'ai vraiment du mal à avoir. C'était pas loin. Ah, c'est pour contrer les faire des triples revanches. Ah, y'a moi. Mais non, mec, ça sert à rien. Il stun pas le truc. Tu vois. Faire jouer le Singe Light Dark pour apparemment contrer le truc le revanche, s'il stun pas, c'est nul. Autant enlever le plus de wheel. Enfin, c'est ce que je me dis. Mais en vrai, y'a moyen. En vrai, y'a moyen, t'as raison. Ça se tient. Ça se tient, mais dans les faits, il sonne pas et c'est de la merde, tu vois. Mais un délire quand même, un F6, hein. Si, il stun. Enfin, il stun, mais il stun pas, tu vois. C'est quoi, c'est 60% de chance de stun? Voilà. Ok, là, il y a un Posi donc qui arrive. À la place de... Akemamir. Est-ce que ça fait le même effet? En vrai, ça devrait, hein, s'il n'y a pas besoin de speed. Peintre Dark, j'ai vu un mec le jouer, et c'était assez sympa, c'était avec les snipers, sans mentir les gars. Je crois que j'ai un jeu en favori d'ailleurs, je vais vous montrer après. Le sniper vent, c'est pas, sans déconner, vous allez voir après. Diana pourrait marcher là-dedans? Voilà. Ça pourrait marcher, hein, Diana, un peu. Vite fait. Hein. Ok. J'ai cru qu'il allait faire le sardin du coup. Il a un Posidon en view, intéressant. Bon, il a gagné là. Mais ouais, comme vous pouvez voir, il n'y a pas beaucoup de RNG une fois la game lancée. Hein. C'est il fait ses sorts et tu fous le camp. Donc tout à l'heure il a perdu la bombe. Ah ouh, le mec a dû prendre tellement cher là. Quoique. Tu utiliserais Ramagos contre lui en Ibis qui cut? Mais s'il se fait un... Il cut comment? Il va pas réussir à cut mec. Parce que t'as soit double gain TB à Kamamir et
enfin en gros t'as Bastet, Lucien, Bastet, Tiana, donc tu fais pas cut direct avant Lucien. Soit t'as le silence de... Tu vois? Il est en Nemesis Mrs. Will. Il va pas cut avant la caméra, hein. Avant Lucien, hein. Il va pas gagner assez d'ATB pour jouer avant Lucien. Hein. Par contre, le mec avec sa Camille, il espère trop là. Parce que il va pas lui faire beaucoup de dégâts, tu vois, sans break def. Il tank tout ça? Tu kiki du coup, en fait, du coup là. Tu kick Neftis du coup? Ok. Je demande à voir. Hein. Je demande vraiment à voir. Hein, je sous-estime pas l'ami Ramagos. Hein. Je sais que ça peut marcher contre le clip. Mais quand je vois. Ça. Pour moi, c'est toujours Ramagos en Will. Il faut kick Tiana du coup. Et en vrai, si tu kick Tiana, il y a un mec qui tank les deux en vrai. Parce que son Lucien, il prend bien par carte en vrai. J'ai pas vraiment fait attention à combien il visait par carte son Lucien. Mais t'es obligé de battre Tiana. Si tu laisses Neftis, ton Ramagos fait rien. Non, non, si tu laisses Tiana, je veux dire. Nika ? Ouais, en vrai, un gros Ramagos, du coup, ça tank. S'il est vraiment bien tanké, ouais. Il faut ban Neftis pour moi, à mon avis. Si t'as kiffé la vidéo, abonne-toi.